fin d'un périple de plus de 20 heures. Commencé en hélicoptère, terminé en camionnette, depuis leur vallée sinistrée. Vous arrivez d'où comme ça, monsieur ? Du parc de Vésubie. Ça s'est bien passé le voyage ? Très bien, parfait. Un voyage sans encombre pour Nemiak, Kiava et Akela, une fratrie habituée aux forêts alpines. Premier pas hésitant dans la tourbe des Deux-Sèvres. Ils ont été endormis pour le transport et pour la capture. Donc après 20 heures de transport, c'est normal qu'ils soient un peu dans les vapes. Ils vont se remettre tout doucement. Ces loups vivaient en captivité à Saint-Martin-Vésubie. Mais aujourd'hui, les infrastructures du parc sont détruites. Plusieurs loups toujours dans la nature. Ces trois-là ont trouvé refuge chez Béatrice Gérardot, responsable du sanctuaire loup 79, à près d'un millier de kilomètres des Alpes-Maritimes. Il était temps de faire une pause pipi. On va essayer de déjà leur donner tout notre amour, parce qu'on est là pour ça, et des bons soins de nourriture et de médicaments pour ceux qui en ont besoin. Et on va les observer énormément et on va les rassurer du mieux qu'on peut, parce que le loup est très sensible à la parole, il est très sensible à l'amour qu'on leur porte. Curieux, les habitués des lieux viennent faire connaissance avec les nouveaux arrivants, qui devraient être rejoints dans quelques semaines par 8 autres réfugiés du parc Alpha de Saint-Martin-Vésubie. Leur enclos et leur tanière sont déjà prêts.